temple dédié au dieu phénicien de la guérison, Eshmoun, il se situe à peine à 1 km de la ville de Saïda, au sud du Liban. Il est aujourd'hui inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en raison de son importance archéologique. Aujourd'hui encore, Eshmoun demeure un symbole important de la médecine. En effet, c'est son caducée qui est encore d'usage comme symbole. Il s'agit de deux serpents enroulés autour d'un bâton. Eshmoun deviendra également le patron de la ville phénicienne de Saïda, qui organisera un important pèlerinage à sa proximité. Le choix de l'emplacement serait motivé par l'existence du fleuve Al-Awali, qui s'écoule à proximité, et d'une source utilisée pour les bains rituels. C'est durant le règne du roi de Sidon, Eshmounazar II, durant la période achéménide, que débutera la construction de ce temple. Le site a ensuite fait l'objet de nombreux remaniements et ajouts entre la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ. On y trouve ainsi différents styles, allant d'une influence perse, grecque, hellénique ou encore romaine. Le temple ne sera finalement découvert qu'en 1900 par des pilleurs de trésors. Rapidement, des fouilles officielles, cette fois-ci, seront mises en place pour conserver la nouvelle découverte. C'est alors que Maurice Dunant, un archéologue français qui s'occupait également du site archéologique de Byblos, fouillera minutieusement le site de 1963 jusqu'au début de la guerre civile du Liban, en 1975. Parmi les éléments remarquables toujours en place, une série de colonnes romaines du 3e siècle après Jésus-Christ. Ces colonnes ont été construites par l'empereur Septimius Severus. Dans le temple d'Eshmoun a également été retrouvé un podium monumental composé d'un bloc monolithe de marbre originaire de Grèce et aujourd'hui conservé au Musée national de Beyrouth. Il a été mis en place par le roi Eshmounazar II au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, alors que Saïda était sous l'influence achéménide. Y figurent les dieux grecs sur les nombreux bas-reliefs qui se trouvent de chaque côté. Les figures
semble avoir été vandalisé au niveau des visages notamment. Selon les études archéologiques effectuées, il sera cependant agrandi par son successeur, le roi Baudachart. Également trouvé au temple d'Eshmoun et aujourd'hui exposé au musée national de Beyrouth, les trônes d'Astarté sont généralement datés des époques perses, helléniques et romaines. La déesse est représentée par ses animaux attribués comme les sphinx ailés, la palmette ou encore un bétil ou une pierre symbolisant la divinité. Onze de ces statuettes, en réalité des ex-voto, y ont également été retrouvées. Comme à Byblos, où ont été retrouvés de nombreux ex-voto en forme d'encre, le culte d'Eshmoun était cette fois-ci et principalement consacré à la guérison de maladies infantiles. Ainsi, il était d'usage d'offrir aux dieux des statuettes en marbre, matériel cher, importé de Grèce, et où figurent les noms des enfants dont les parents recherchaient la guérison. Une église byzantine située à proximité réutilisera une partie de ces matériaux. Ce sont notamment les mosaïques de cette église que nous pouvons voir sur les lieux. Les artefacts du temple d'Eshmoun feront toujours l'objet de convoitises jusqu'à aujourd'hui et auront donc encore à subir leur lot de vol. Ainsi, alors qu'une partie de ces collections avait été mise en sécurité à Byblos par le directeur de la DGA, Maurice Shehab, en raison de sa proximité avec les camps palestiniens et la forte probabilité de vol sur le site lui-même, 600
de ces pièces qui étaient entreposées seront volées en 1981. Elles seront revendues sur le marché noir. Jusqu'à présent, seules 9 d'entre elles ont été retrouvées en 2009 et ont été rendues au Liban. 4 d'entre elles sont exposées au Musée national après avoir été rapatriées depuis les États-Unis en 2018. Thank you.